Le gros Paris, bah, c'est pour moi une manière de prendre en dérision ce grand Paris qui est un petit peu monstrueux pour les gens et d'en faire quelque chose de populaire, quelque chose d'accessible, quelque chose qui plaise véritablement à chacun parce qu'on le prend avec humour et avec le sens de la fête. Le but du gros Paris, c'est de faire une grande fête populaire avec plein d'actions culturelles différentes, avec aussi toutes les associations qui aujourd'hui travaillent autour des questions de la métropole, du Grand Paris. On est un collectif en fait d'acteurs qui faisons des tas de choses. Il y a nous Métropop, mais il y a aussi les Mystères du Grand Paris, il y a le Voyage Métropolitain, il y a Enlargure Paris, il y a le Grand Paris d'une autre tête. Bref, on est tout un collectif de gens qui avons envie que justement ce Grand Paris ne soit pas uniquement quelque chose, une infrastructure ou un développement économique. C'est aussi cette rencontre entre Paris et sa périphérie, entre le centre et la banlieue, et tous les gens qui font vivre ce territoire au jour le jour, et la métropole. Voilà, c'est ça le gros Paris pour moi. Gare au Théâtre, c'est le lieu dans lequel on a choisi de faire cette deuxième édition comme l'an dernier, parce que Gare au Théâtre, c'est un endroit de fourmillement, de rencontres, de rencontres entre le local et le métropolitain, parce qu'il s'y passe plein de choses très, très différentes, très, très décalées, et ça convient bien à ce qu'on voulait faire en termes d'état d'esprit. Le gros Paris, s'il a un avenir, c'est qu'il doit faire le tour du seul territoire qui ne s'appellera jamais EPT quelque chose, EPT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nous sommes dans le 12e territoire. Cette fête du Gros Paris, ce que l'on souhaite, c'est qu'elle change de territoire d'année en année et que la fête du Gros Paris grossisse d'année en année, gagne en intelligibilité, en richesse de propositions, et que de plus en plus les Franciliens s'emparent de leur fête.